sortie 25, c'est à la hauteur du kilomètre 51. Elle est sur la bande d'arrêt d'urgence. Passé une agréable soirée, un nouveau copilote prend la relève. Vous écoutez Radio Vinci Autoroute, il est 20h. L'essentiel de l'actualité, Marine Gibert. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, la CGT appelle à voter pour le nouveau Front Populaire aux législatives anticipées de la fin du mois. Le syndicat explique sa décision dans un communiqué publié ce soir. L'extrême droite est en situation d'accéder et pourrait remettre en cause tous les garde-fous démocratiques, estime l'organisation. La CGT rompt ainsi avec sa tradition de ne pas donner de consigne de vote. Elle appelait jusqu'ici à faire barrage à l'extrême droite, mais jamais à voter pour un parti spécifique. Une annonce saluée par plusieurs responsables du nouveau Front Populaire, parmi lesquels Marine Tondelier, Jean-Luc Mélenchon ou encore François Ruffin. Un nouveau Front Populaire qui, en cas de victoire, devra choisir son Premier ministre par un vote des députés nouvellement élus. C'est ce qu'a estimé cet après-midi Olivier Faure. « Je ne connais pas d'autre façon d'arbitrer », a expliqué le premier secrétaire du PS sur BFM TV. Il contredit ainsi les insoumis qui veulent, eux, que le groupe parlementaire le plus important propose un nom pour Matignon. À 12 jours du premier tour des législatives, le chef de file du Rassemblement National, Jordan Bardella, lui martèle qu'il ne pourra pas agir sans majorité absolue. Interrogé ce matin sur Europe 1 et CNews, il a laissé entendre qu'il refuserait Matignon si son parti n'obtenait pas les 289 sièges nécessaires pour obtenir la majorité absolue de l'Assemblée nationale. Nous sommes donc 12 jours avant le scrutin et 12, c'est aussi le nombre de départements concernés ce soir par la vigilance orange Météo France dans le sud-ouest et le centre du pays. Vigilance en cours des Landes jusqu'à la Côte d'Or en raison d'orages attendus ce soir et cette nuit avec de forts cumuls de pluie, un risque de grêle et des rafales de vent allant jusqu'à 100 km/h localement. L'armée israélienne a mené aujourd'hui des bombardements meurtriers sur plusieurs secteurs de la bande de Gaza, les plus violents ayant touché la ville de Rafah, dans le sud du territoire palestinien. Le ministère de la Santé gazaoui fait état d'au moins 25 personnes tuées ces dernières 24 heures. En football, la suite de l'Euro dans le groupe F, la Turquie vient de battre la Géorgie 3 buts à 1. Tout à l'heure à 21h, le Portugal fera face à la République tchèque. Prochain match des Bleus, vendredi, contre les Pays-Bas, avec une incertitude sur la participation de Kylian Mbappé, blessé au nez hier face à l'Autriche, un match que l'équipe de France a remporté 1-0. 20h02, excellente soirée sur le 107.7. Dans une heure, l'actualité vous sera présentée par Sébastien Ponchelet. Dans un instant, c'est le trafic, juste après la météo. Merci Marine Gibert. La météo de demain, donc mercredi 19 juin, c'est un temps orageux qui se dessinera sur une bonne moitié nord de l'Hexagone et pouvant s'accompagner de grêles et de fortes pluies. Durant l'après-midi, le temps restera bien instable avec toujours de nombreuses averses orageuses se développant cette fois-ci de l'Auvergne au nord de la vallée du Rhône et au nord-est. Les orages pourront être forts du Jura à la Bourgogne avec des rafales de vent atteignant les 100 km/h et des chutes de grêles toujours d'actualité. Dans le sud-ouest, les éclaircies résisteront une bonne partie de la journée. Le ciel deviendra plus menaçant sur les Pyrénées avec des averses orageuses. Dans le sud-est, le soleil sera bien présent. Toutefois, des ondées se déclencheront sur le relief. Et puis, notez que le vent de sud sera soutenu en vallée du Rhône. Côté thermomètre, les températures minimales seront comprises entre 12 et 16 degrés sur la moitié nord, 14 à 20 degrés dans le sud. Les maximales afficheront 18 à 22 degrés sur le quart nord-ouest, 22 à 30 degrés ailleurs. Marine y faisait état, Marine Gibert, dans son flash. 12 départements sont en vigilance orange orage depuis la Nouvelle-Aquitaine avec un décalage vers le centre Val-de-Loire et la Bourgogne. Le détail de la carte des vigilances est à retrouver bien sûr sur notre site internet radiovinciautoroute.com. Et puis un rappel, un feu sur deux est la conséquence d'une imprudence, alors ne jetez pas de mégots de cigarettes par la fenêtre de votre véhicule. En effet, il faut préserver l'espace naturel qui nous entoure et la vie des pompiers qui sont les premiers à lutter contre ces incendies. Vous pouvez aussi réviser les bons réflexes sur le site feu-forêt.gouv.fr. Radio Vinci Autoroute. L'infotrafic. Hervé Améry.